Fait que les boys, aujourd'hui, on part tester Modern Warfare 3. Ça part direct dans une game. On part tester ce bijou-là, les boys. Le sniper de Modern Warfare 3. Ben, hâte de voir ce que ça va donner. Là, j'ai testé un peu le jeu. Ça annonce du... Ça annonce bien à date. Juste avec la bêta, là, on a quelques maps. On a juste 5 maps à date. Mais c'est bien pour le moment. J'ai pas détesté. Ok, je voyais rien, Big. Oh, Quickscope, Big. C'est pas la meilleure map pour du snipe non plus. Ça. Le jeu est fluide. Il y a une bonne prise en main. Le sniper, il fait pas trop d'être mark, même s'il vient d'en faire un. Le sniper, il est bon, man. De ce que j'ai essayé, là. Il y a juste des affaires bizarres, là. Il y a une fucking grenade qui lance un drone, là. Ça, là. Ben, me dire, c'est quoi ce bijou-là qu'ils ont inventé, là, là. Ah non, les drones de brouillage, c'est autant de la merde qu'il y a dans le 2. Les mouvements, c'était de la merde. Là, les mouvements sont bons, man. Le feeling des armes, tout, il est bon à date. Ah, check, c'est ça, le petit drone bizarre qui vole, man. Je suis un drone qui vole, man, en ligne droite, là. On va tenter de rentrer une quad feed, mon gars. Mais c'est clairement pas sur cette map-là qu'on va faire ça. Puis au moins, les maps aussi, c'est des maps. Sont pas toutes excellentes, là. Mais sont toutes au moins... La plupart sont bonnes, là. Ils sont pas mal toutes correctes, là. Puis un nouveau équipement de combat. C'est une petite valise que tu mets à terre. Puis elle capture le point pour toi. Tu peux te faire quand même des strats avec ça. Tu peux laisser la petite machine, elle ramasse le point, man. Ça, c'est une nouveauté. Toi, tu t'en vas faire d'autres choses, man. Tu peux protéger le point à l'extérieur sans qu'il y ait personne dessus. Les menus sont tout autant dégueulasses que Modern Warfare 2. Malheureusement. Ils ont mis une musique épique. Mais ouais, les menus sont tout autant dégueulasses. Pour faire les armes, c'est encore les mêmes affaires. Les avantages et les inconvénients sont vraiment plus précis qu'avant. Tu vois plus qu'est-ce que ça fait, là. C'est comme là, t'as beaucoup plus de vitesse de balle que de portée des dégâts. Fait qu'au moins, ça te dit genre, qu'est-ce que t'as plus, qu'est-ce que t'as moins. C'est ça, les drones bizarres, là. Ça part. Pis y'a ça qui est nouveau, les gilets. Maintenant tu peux choisir un gilet. C'est comme un Joker un peu qu'il y avait sur Black Ops 2. Fait qu'en général le jeu là, est quand même très intéressant. Là on va essayer une autre classe là. On joue à la CR. Check avec le beau petit viseur, man. Ça vise bien mon homme. Pis à ça aussi les... On a 150 HP. Fait que tu meurs un petit peu moins vite. Moi je trouve que c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que des fois faut que tu mettes quasiment un chargeur sur une personne puis l'autre te met une balle de snipe. Les avantages et inconvénients, mais regarde. Que tu t'accroches sur le... Un bar, là, un rebord, comme ça, là, pis tu peux te tirer avec le petit René pis tout, man. Bang! T'es où, Big? J'ai raté. Les sauts, c'est quand même nice, pas vrai? S'il vous plaît, merci. Allez, je vais vous montrer comment décamper les campeurs, man. Tu prends une frag de même? Oh, il est déjà mort. En tout cas, t'as la main bien chaude, là, pis boum! Ça, là, c'est le truc pour décamper ces petits-là, là. Ça serait-tu la renaissance de COD? Ah, en tout cas, le multi, là. Parce qu'on va se le dire, les derniers multi, c'était pas les meilleurs. Le dernier qui était bon, je trouve, c'est MW 2019. T'as pas l'impression de mourir trop vite. Des fois, oui, t'as l'impression de mettre beaucoup de balles, puis tu te manges une bullshit. Comme lui, il m'a mis 4 balles, puis j'en ai mis 3-4, je sais pas, j'ai pas compté, là. Des fois, t'as l'impression de manger un peu de bullshit. Puis les snipes qui one-shot. Genre, t'as le temps de mettre 4 balles sur la personne, puis lui, t'en mets une, puis t'es mort. C'est un peu le défaut, mais c'est le fun de one-shot au snipe, fait que je chialerais pas. Ah oui, c'est vrai, il y a le tactique à cette heure à taper, c'est le même. Tu peux viser tactique. Ça te permet de glisser puis de tirer en même temps. Attends, on va faire le test, là, on va tuer quelqu'un de même. Jesus! Mort, Jesus! Ça a été compliqué, mais ça mort. Mais à date, les guns, là. À date, honnêtement, là, j'ai pas grand reproche à faire. Là. Ce qui est étonnant des fois, c'est que le monde, quand il spawn sur Ross, ça lance direct des nades. Ça, là. C'est un peu tannant. Mais regarde. Ah, puis exemple, le gardien. Le gardien avant, exemple, sur Black Ops 2, là, ça se déployait en une demi-seconde. À cette heure, là, calice que c'est long. C'est long à déployer, mon gars, là. Puis la moitié du temps, ça se déploie pas. Tyranné. T'es mort, tu parles de tyranné, mon gars. Ça te fait un bruit, là. Agressant, mon gars. Pis les maps sont vraiment respectées. Là. C'est pas. C'était pas grande différence entre chaque map. Là. J'ai pas vu grande différence, honnêtement. Bah, en tout cas, il y a personne qui a été campé en haut, malheureusement. Je peux pas vous montrer, là, mais regarde, tu lances une grenade. Là, t'es capable de t'imaginer ça. Là. Pas non plus cave à ce point-là, le bonhomme. C'est un ennemi, sinon, c'est un allié. Ça, des fois, c'est mêlant. Ça arrivait hier, je jouais avec des chums. Là. Puis là, ils me tiraient dessus. Là.
Mais c'est comme, des fois c'est mal indiqué un peu si c'est un allié ou un ennemi. Bah ben, ça des fois t'as l'impression de mettre 50 balles pis il meurt pas. Ça là. Ça c'était un bon exemple. Pis le bruit des headshots là. Vous avez-tu entendu? Le cling, cling. Il est tellement plaisant là. Là j'ai une juste à faire ce que tout le monde fait man. Spawn grenade. Je chiale après le monde mais je le fais pareil. Je vais vous montrer comment je prie ici, ok? On va faire un flick. Hop. Ah, pas du... Regarde, on va attendre un peu pour la précision, hein. Ok, on sort le snipe. Bang. Une snipe, là. Ah, c'est qui est bon. Faudrait pogner à Rise. Juste les quick, là, que je suis pas encore trop habitué, là. Non! Ah, reviens! Ah, c'est liché de pipi, man! Gros man, j'allais faire la quad. J'étais à 3 kills. Le vote des maps est revenu, man. C'est tellement quelque chose que je demandais, moi, depuis quelques années. Le vote des maps, man. C'est tellement de la calice de marde d'être imposé à faire une map. À ça, au moins, t'as deux choix. Si tu pognes deux choix de marde, regarde, t'endures une game, au moins, t'es pas imposé à faire une crise à map. Ça, là, honnêtement, c'était tellement débile. Enfin, on pogne un Rise. On sort le snipe. Il est vraiment lit pour le moment. Puis ils ont pu enlever le pré-shot, mon gars. Le spawn shot, là. Ils l'ont enlevé. J'ai hâte de tout avoir, genre les couteaux de lancer, les couteaux de lancer, puis les couteaux de lancer, les smokes. J'ai hâte de voir Warzone aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va essayer de tourner une petite quad, man. Better? Attends, il est campé dans l'ascenseur, lui! Je pense qu'il jouait pas. Puis on peut aller à tous les spots aussi. On peut aller sur la grue, mon gars. On peut aller sous le toit. Ça, c'est beautiful. Ok. Les spawns, là, des fois, sont vraiment hachés. Ça, là, les spawns, là. Et c'est bon. T'es mort. Ah, il est en train de monter, lui. Je pensais que j'avais une flash. Les no-scopes qui ont pas du tout rentré. Ok, on tente un 360, les boys. On tente le beau jeu. Hop. Ça a pas rentré. Hit mark, mon esti de chien vaut. Oh, il y a un jog! Check ça, on va y mettre la pression d'en haut. D'un patte, d'un trop patte. Oh shit! Oh my god. Je sais pas si ça va être encore possible de faire des trick shots comme dans le temps. Là. Ce serait le fun de voir des beaux clips comme dans le temps. Là. Genre des montages là, fuck. Insane, ça serait crissement le fun à revoir. J'aimerais essayer d'essayer l'autre snipe, mais l'autre snipe c'est pas pay to win, mais faut que tu le payes pour jouer avec, fait que qu'il mange de la colise à marde. En général, à date le jeu, là, je donnerais un bon... pour une bêta en plus, là, peut-être un 8 sur 10 big. Genre je me fais du fun. Découverte de la bêta, malgré que mes scores sont à chier. Le jeu est meilleur que mon score live.